Salut à tous, salut, une petite selfie en direct dans mon garage parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau véhicule qui est sorti les gars et qu'on vous a pas présenté avec la team. Alors Eden vous a présenté un véhicule ce matin, ça n'a rien à voir avec celui d'Eden. Donc là on est sur un véhicule plutôt classe, vraiment pas mal. On n'est pas sur de la super sportive, on n'est pas sur de la sportive, on est sur un véhicule pas mal, voilà, je vais vous montrer les gars. Donc déjà regardez, je suis dans mon garage au troisième étage tranquillement. Je trouve que le garage là c'est le plus beau, enfin, que Rockstar ait créé. C'est vraiment le meilleur. Avant on avait nos garages pour ceux qui se souviennent un peu à l'époque. Bah, à l'époque quoi, à la vraie époque où on avait que le garage de l'Eclipse Tower, etc. Là, on est sur des bons garages. Alors, donc voilà à quoi ressemble le véhicule de base, les gars. Donc voilà, je me mets en première personne pour vous voyez un peu comment il est, voilà, sans custom. Et vous allez voir, les gars, que quand on va custom ce véhicule, vous allez dire, ah ouais, effectivement, là, on est rien à voir. Donc voilà, là, je l'ai mis en jaune, voilà, je l'ai commandé en jaune tranquillement. Après, on verra comment on va le custom, etc. Donc, pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que c'est comme véhicule? Donc, c'est une grosse cylindrée, donc c'est la déclassée Vamos. Alors, on va aller LS custom. Alors, je sais qu'on peut custom on peut custom dans la Maze Bank, mais moi je préfère aller au LS custom comme à l'époque. Voilà, à l'époque on allait tous au LS custom, et là bah écoutez, on va tous au LS custom. En tout cas, là on est sur une grosse cylindrée. Alors je vais regarder un truc, je sais pas ce nom, elle saute pas, elle fait rien de spécial, elle saute pas. En tout cas, on voit franchement qu'elle est lourde, hein. Elle est vraiment lourde, hein. Ouais, elle est lourde, hein. Ouais, elle a un peu du tas, j'essaie de la faire tourner un peu. Ouais, on voit qu'elle est lourde quand elle tourne, hein. Vraiment, vraiment très très lourde. En tout cas voilà, donc comme j'ai dit, ce n'est pas du tout le véhicule que vous a présenté Eden. Bah, je pense que là, regardez la différence de vitesse, etc. Je pense que ça a vraiment rien à voir. Alors c'est parti les gars, l'élection, la direction comme on dit. Alors on va voir ce qu'on peut custom là dessus Je sais, j'ai vu des petites photos, je sais qu'il y a des babans qui l'ont custom avant moi. Et franchement elle avait l'air vraiment belle, je voulais absolument vous la présenter. Et voilà, c'est un petit kiff. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de ce matin, n'hésitez pas à aller voir, les gars. Alors, au niveau du blindage, bon, on est comme d'habitude, on est sur du 100%. Ensuite, frein, frein de course, pare-choc. Alors, pare-choc avant. Alors, c'est là où on va avoir vraiment les bonnes customisations. Élargi, petit, custom. D'ailleurs, si vous reconnaissez ce véhicule dans la vraie vie, je ne sais pas du tout ce que c'est comme véhicule. C'est des véhicules vraiment, enfin, je pense américains. J'aime pas trop le carbone, moi. Pain séparateur, mais bon, il y a du carbone un peu. Élargi. Je suis pas trop fan du carbone, mais j'aime bien les petites barres là, vous voyez. Bon, on va mettre ça pour. On va mettre celui-là. Alors, on va mettre celui-ci pour voir pour l'instant. Et on verra après. Alors, pare-choc arrière. On a les roues. Alors, les roues, je déteste. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà mis les roues comme ça. Je trouve ça dégueulasse sur le véhicule. Je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais moi je déteste. Mais par contre, c'est quoi qu'on a? Une. Ah, une voile! What the fuck, ça sert à quoi? Ok, je vais le mettre. Une voile, les gars. C'est. Enfin, ouais. Je vois pas à quoi ça sert. T'imagines le véhicule, il vole, tu sais. Alors, moteur. Moteur à niveau 4. Échappement. Alors, on a quoi comme échappement? Ouais, tube droit. Ah, ouais, celui-là, il est vraiment pas mal. De course. Hot Wings Titane et Hot Wings Normal. Moi je suis vraiment fan de ceux-là. Échappement de course. Celles-ci j'aime pas du tout, elles sont trop discrètes en fait. Tu vois, tu les remarques même pas. Alors que celles-là là que j'ai prises, elles sont magnifiques. Ensuite, explosif. Non, L. Alors on a L en carbone, L peint. Et on a deux séries, j'aime bien la ligne, hein. Honnêtement, je pense que je vais laisser de série. Je sais pas si vous êtes d'accord. La petite ligne noire là qui est juste magnifique avec écrit. Ouais, ouais, non, non, de série. Oh, oh, oh. Faut pas abuser quand même. Alors, calandre. On a calandre noire ouverte, calandre à lamelles, calandre à mailles, calandre radiateur d'air apparent. Ah, ouais, c'est quoi ça? Ah, ouais, ouais, ouais. Attendez, attendez. J'aime bien le jaune aussi. Mais honnêtement, celui-ci il est magnifique. Les petits ventilos là. Comme ça j'aime bien. Alors ensuite au niveau du capot. Ah voilà, c'est là qu'on va avoir franchement des bonnes choses. Alors on a capot en carbone, dégueulasse. Moi je sais pas, je déteste
le carbone sur. Enfin, le carbone, je trouve que c'est bien à l'intérieur du véhicule, ou à la limite, enfin, dans la vraie vie, je parle, hein, à la limite, genre, enfin, vous voyez, dans les rétros, quoi, sur les rétros, comme bah, par exemple, dans les AMG, etc. Mercedes-AMG, ils aiment bien mettre. C'est les pots, enfin pas les pots, mais je veux dire les rétros, etc. En fait, le carbone, c'est bien, mais faut pas en abuser. Alors que là, tu vois, tu mets. Enfin, c'est dégueulasse. Alors, on a ça, qui est pas mal. Ah, j'aime bien. Triple ouverture. Ouverture simple. Wow. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Waouh. Ah ouais, celui-là, il est vraiment beau. De série, c'est comment? Bah, honnêtement, j'aime bien celle-là. Hein. En fait, j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien, mais je préfère aussi, tu vois, genre sans le truc. Je sais pas. J'hésite là. Soit ça. Écoutez, franchement, je trouve que ça, on en a assez vu. On en a vu plein de fois. Donc, moi, ce que je vais faire. C'est que je vais mettre celui-ci qu'on n'a jamais eu. C'est un nouveau, apparemment. Peut-être que sur d'autres véhicules, bah, j'ai pas tous les véhicules du jeu, j'ai pas qui sont tous les véhicules du jeu. Mais je sais que c'est. J'ai jamais vu comme ça. Comme ça, ouais, j'ai déjà vu. Plein de fois, sur pratiquement toutes les grosses cylindrées, on a ces customisations. Ouverture simple ou triple ouverture. Mais là, cela jamais vu. Ensuite, klaxon, bon, on s'en fout. Phare xénon. Kit néon, support néon. La couleur, on mettra après. Alors, ah ouais, il y a des motifs. Ah ouais, comme ça, j'aime bien. Double bande noire, on a la. Oh, ah ouais, comme ça aussi, c'est beau, hein. Trouver dans un champ. Ah ouais, carrément, quoi. Trouver dans un champ. Rayures rouillées, non. Tas de roues, épave sportive. Ouais. Ah ouais, celle-là, elle est vraiment belle. Ah, j'aime bien. Le rose, là, j'aime bien. C'est quoi, ça? C'est vraiment sans danger. Écoutez, je vais partir là-dessus. Parce que ça, franchement, on l'a jamais vu un véhicule comme ça, quoi. Je vais partir là-dessus. Ensuite, on va mettre du jaune sur noir. Et la peinture, par contre, je vois pas du tout ce qu'on pourrait mettre pour que ça donne. Ça rentre bien avec ce véhicule-là. Je sais pas si on mettrait un peu du bleu comme ça, non. Ah ouais, en bleu c'est bien, mais c'est. Enfin, non. Noir. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, je sais. Je vois. Je pense pas que je vais mettre. En fait, je sais pas si je vais mettre ce motif. Regardez, je vais mettre jaune racing. Ok, je vais partir sur un jaune racing. Couleur secondaire, on va mettre également du jaune racing. Voilà. Et. Alors, on va mettre juste. Attendez. C'est dans peinture, voilà. Emblème de crew quand même. Oh, le crew, la salle. Et je vais juste enlever ce motif. Alors, le motif là est pas mal aussi, les gars. Alors, attendez, je regarde les autres motifs qu'il y a. On a celui-ci qui est pas mal. Celui-ci qui est pas mal aussi. Bah écoutez, je vais partir sur ça. Non, j'aime pas. En fait, je sais pas quoi mettre. Je sais pas du tout quoi. Ça aussi, c'est pas mal, hein. Après, là, on est sur vraiment du basique. Écoutez, je vais mettre celui-ci. Allez, vous savez quoi? Je sais que c'est pas trop top, top, top au niveau de la customisation. Par contre, je vais juste enlever l'emblème de crew. Parce que c'est dégueulasse, en fait. Voilà. Ensuite, ça, bien évidemment, on met pour la sécurité. Alors, au niveau du toit, on a toit. Ah, toit vinyle. Non, non, on reste là-dessus. Aileron. Ah, aileron. D'accord, on peut mettre des ailerons. Alors, on a aileron bas. Alors, attendez, je vais essayer de bien mettre la caméra. Comme ça, c'est bien. Aileron stock danger, non. Non, non. Pourquoi c'est en carbone, quoi? Allez, tu sais quoi? Je vais partir sur dragster étendu. Voilà. Suspension de compétition. Transmission de course.
Turbo, tuning, turbo, roue. Alors, au niveau des roues, on va partir, je pense, sur ça. Non. Sport, non, ça le ferait pas trop. Lowrider, peut-être. Ouais, lowrider, ouais. Voilà. Couleur des jantes. Partir sur du jaune. Par contre, non, j'ai pas trop trop fan en fait des jantes. Hein. En fait, faudrait plus que les jantes, je les mette en couleur noire, je pense. C'est moi qui... Franchement, honnêtement, le véhicule il est dégueulasse comment je l'ai custom. Je vais pas vous mentir que je suis pas trop trop. C'est pas ma meilleure customisation quoi. Après, c'est un peu bizarre quoi. Ok, je vais partir là-dessus. Allez, vous savez quoi? Je pars là-dessus, voilà, allez, hop, c'est bon. Je sais que je sais pas custom, honnêtement. Fumée, ouais, on met fumée. Alors par contre, il y avait juste un truc encore à modifier, c'était au niveau de l'éclairage. Voilà. Kit néon, couleur néon, et on part sur du. Je sais pas si, ouais. Ouais, jaune, allez, jaune. Par contre, honnêtement, comme ça, là, de côté, il a de la gueule un peu, hein. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres roues. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas d'autres roues. Mais ça va, franchement, il a de la gueule. Turbo. Muscle car. Ah ouais. Ah ouais, là ouais. Ah là, j'aime bien. Ouais. Un peu comme ça, là. Ouais, là, je kiffe. Ouais, vraiment pas mal. Ok, et eh ben écoutez, c'était pas mal, franchement. Je vais juste tester, bien évidemment. Bah, en gros, la tenue de route, comment il est. Waouh, par contre, il est lourd. Oh. Il est vraiment lourd. Oh. Ah, ouais, par contre, ça se voit que c'est de la grosse cylindrée. Par contre, la toile derrière, j'aimerais bien juste voir à quoi ça sert. Je vais juste prendre par exemple une pente pour voir si elle s'active la toile. Non. Ok. Moi, je crois que ça sert à pas. Je crois que ça sert pas à grand chose la toile, honnêtement. Ouais. Honnêtement, la toile ne sert pas à grand chose. Mais honnêtement, je suis assez fan de mon véhicule. Je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Il est vraiment beau. Il n'y a rien à dire. Regardez. Par contre, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Du coup, attendez. Là où, en fait, il faut que je mette là où il y a de la lumière. Je sais où il y a la lumière. Ici, il y a de la lumière. Donc voilà à quoi il ressemble, les gars. Franchement, je suis fan. Je kiffe la customisation. Il est beau. Honnêtement, au début, je me disais pas trop trop beau, mais ça va. Ça va, franchement, n'hésitez pas à noter sur 10 ma customisation. Et franchement, il est très très beau. Moi, j'aime bien le petit côté rose comme ça fait un peu Saint-Valentin. Et d'ailleurs, il est bah d'ailleurs, je crois que c'est le véhicule qui est sorti pour la Saint-Valentin, je suis pas sûr. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va se quitter là-dessus. Au niveau de la tenue de route, c'est franchement, c'est très lourd. Le véhicule, il est pas du tout fait pour. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment un véhicule de déco, voilà, qu'on met dans son garage, etc. Quoi. Pas un véhicule qu'on garde, qu'on va dire. Et bah écoutez, c'est parti. C'était pas mal. C'était la déclassée Vamos. Je vous ai juste pas montré le prix, il me semble. Alors je vais juste vous montrer le prix quand même. Hop, voilà, je vais vous montrer le prix quand même. Oh, quand même. Oh. Oh jeune, le prix. Alors. Donc le prix les gars, vous allez dans South San Andreas et vous mettez déclassé Vamos, donc elle coûte 596 000. Franchement ça va.
Elle est pas non plus abus-bus-fluse, mais après, bon, je trouve quand même que pour une grosse cylindrée, ça reste assez cher quand même. Après, avec toutes les customisations qu'on a, ça rend quand même assez cher. On part sur du 1 million, donc ça reste cher. Voilà, en tout cas, voilà, c'est la déclassée Vamos, c'est tout pour cette vidéo, et moi, je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao.